Mais j'ai appuyé sur toi. Oh, oh. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Oh, vous avez vu cette synchro avec la fin du son et tout. J'ai attendu. Hein. Franchement, à 2 minutes du son, j'étais comme ça sur l'écran. Comment ça va? J'ai lu le chat là, dès que j'ai lancé le live, croyez pas, hein, le live commence bientôt là. En fait, j'étais là, hein. J'ai pas bougé. J'espère que ça se passe bien votre confinement. Ça commence à être long cette affaire quand même. Et à chaque fois que quelqu'un dans son pseudo aura un numéro qui ressemble à un numéro, on appellera ce numéro. Voilà, je vous le dis. Arthur3662 qui a envoyé 300 bits, merci. Tu mérites que j'appelle ce numéro. Bonjour, Orange te informe que le numéro demandé n'est pas attribué. Et c'est perdu. À partir de 300 subs, j'appelle les numéros qu'il y a sur les. Voilà. Ah, mais c'est Gogo251615 qui a offert 5 subs, merci beaucoup. 25, 16, 15. Malheureusement, ça ne marche pas. Arthur3232 qui a envoyé 300 bits. Je le sens, Arthur, je le sens. 3232. Bonjour. Après le bip sonore, service facturé 80 centimes d'euros par minute plus le prix de l'appel. Oh ! La prochaine fois, appuyez sur dièse pour ne pas écouter ce message. Ah putain, à chaque fois, je le fais pas. Bonjour et bienvenue sur notre service téléphonique de voyance en direct. Notre cabinet met à votre disposition nos voyantes et nos médiums. On va demander quand est-ce que se finit le confinement. Pour une consultation directe, appuyez sur la touche 1 pour les. Nous vous proposons 5 voyants. Après avoir écouté la présentation des 5 voyants, vous ferez votre choix. Bonjour, Marie, clairvoyante. J'exerce professionnellement avec sérieux depuis plus de 10 ans. Ma voyance est sans complaisance. Je peux donc vous informer avec précision. Ouais, ce sera pas toi de toute façon. Vous êtes avec Marine. Je suis médium et tarologue depuis plus de 20 ans. Je répondrai à toutes vos questions. Amour, familial. Je l'aime bien, Marine. Je suis reconnue comme médium authentique et franche. Elle a un diplôme de franchise et d'authenticité. Appuyez sur la touche 2. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Déborah. Bon, on part sur madame. Donc je vous attends dans mon salon. Mais quoi? Mais je l'ai choisi là. Appuyez sur la touche 3. Mais j'ai appuyé sur 3. Oh! Oh! Désolé, ça ne marche pas. Voilà. J'abandonne parce que ça me fait péter un plomb à chaque fois que ça fait ça. On revient sur notre son là. Oh, ils m'ont donné chaud là, les médiums là. On reprend notre son. Ça m'a perturbé maintenant. J'avais très envie de leur poser la question. Tu devais attendre le 5. Mais non, je devais pas voter après. Il fallait que j'attende la fin. Après avoir écouté la présentation des 5 voyants, vous ferez votre choix. Je vais me retaper les 5 annonces pour confirmer la théorie. Tapez maintenant votre choix. 3. C'est à votre tour de dialoguer avec le consultant. C'est bonne bon. Consultation. Bonjour. Bonjour Déborah. Enchantée. Vous êtes dans votre salle de bain? Non, pourquoi non? J'entendais que ça résonne. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? D'abord, votre prénom. Alors, mon prénom, je m'appelle Jordan. Enchantée. Enchantée de même. Alors, ma question, c'est là, vous êtes en confinement aussi, Déborah, vous? Oui. Ah ouais. Tout le monde, à part ceux qui respectent pas ce qui se passe, quoi. Mais ils sont plutôt intéressés parce que c'est très grave et très dangereux. Alors, complètement vrai, Déborah. Moi, j'ai rigolé, mais en réalité, je suis d'accord. Alors, pour vous, Déborah, j'aimerais savoir, enfin, c'est une question un peu générale, mais quand est-ce qu'on va sortir de ce confinement? Alors, nous, les médiums, quand on parle ensemble, on fait à peu près, on ne sait pas le jour exact, on va avoir sûrement encore du confinement entre avril et mai. D'accord, je suis désolé, Déborah. Comment on appelle, moi, je dis les forces supérieures, mais c'est pas le... C'est nos guides. D'accord, ange, archange, défunt. Et ils sont tous d'accord, les archanges avec les anges, ils sont ok? Alors, les... Ils sont tous d'accord de dire que c'est un truc qui est dramatique, et ils considèrent que c'est comme la peste. D'accord, ouais, c'est grave. Beaucoup ne vont plus marcher, les petits commerçants et tout. Ce qu'il faut faire surtout, c'est planter. Par exemple, quelle plante? Tous les légumes. D'accord, donc là, il faut que je. Là, avant la fin du confinement, il faut que je plante des légumes. Alors, parce que moi, j'ai juste. Je suis dans un 48 mètres carrés et j'ai pas de jardin, du coup. Voilà. Mais ça, on me l'a pas dit, hein, les archanges. Mais comment ça se fait que vous êtes dans un 48 mètres carrés? Parce que j'ai pas assez d'argent pour prendre un plus grand. Pourquoi? Qu'est-ce que vous faites? Bah, moi, je suis dans l'audiovisuel. D'accord. Et c'est pas payé, l'audiovisuel? Ah, franchement, si, hein. Si, mais là, pour l'instant, j'étais resté sur un 48 mètres carrés parce que. Je sais pas, en fait. Je pourrais prendre un petit peu mieux. J'aurais dû le faire avant le confinement, comme ça, j'aurais pu planter des fraises. Ah ouais. Des baby boom et des divorces? Oui, pourquoi? Parce que les couples sont pas habitués à être en confinement, ils tapent dessus, ils s'engueulent et ça va faire des divorces à tout bas. Mais des baby boom aussi à côté, donc ça va, si je peux me permettre l'expression, ça va ken fort, quoi. Ils vont faire tous des gâtés sous la couette. Ouais, voilà, ça va. Comment vous avez dit? Baby boom. Des bibous? Ah, j'aime bien, je connaissais pas le. Ah, j'ai cru des bibous sous la couette. Non. Ok. Voilà, ça va être des bibous, mais. C'est clair. Vous m'aviez. Bon, bah alors on partirait sur un confinement, on sortirait pas de chez nous avant mai, alors pour vous. Ah là oui, il y a
Ok. Aïe, 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 aïe. On nous a dit que ce soir, il en parlait à la télé, mais je sais pas s'il si en parle pas d'un seul coup. Hein. Ah, donc là, ils vont en parler à la télé ce soir, là? Ah, et on m'a dit qu'il y en avait un qui passait à la télé, mais c'est peut-être pas certain qu'il en parle. C'est un ami qui vous a dit ça ou c'est une info plus spirituelle pour le coup? Non, 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 c'est pas là-haut. Ah, c'est pas là. C'est le voisin de palier qui lui a dit. Et bah de mon côté, je sais ce qu'il me reste à faire, ça va planter des tomates et des... Dans votre appartement, ça va être dur. Ah bah, et bah merci, ça me déprime maintenant. Non, je vais trouver des petits pots et... je vais essayer de faire... je vais essayer de faire un truc. Ah, c'est une allergie, ça? De quoi, pardon? C'est une allergie, ça? Non, non, ça m'arrive de temps en temps, mais c'est rien de... Bon confinement, prenez soin de vous, d'accord? Pareillement... Pareillement, Déborah. Pareillement. Merci. Bonne journée à vous et plantez aussi. Au revoir. Les amis, je vais devoir vous parler de quelque chose maintenant. Il va falloir planter parce que là, ça va être la galère. Apparemment, le prix des fraises, laisse tomber, ça va augmenter de fou. Bon, le live a bougé, hein. Le live a changé, ça devait pas être ça. On reprend le son là, ça fait du bien de savoir un peu ce qui se passe parce que... Et d'ailleurs, d'après, alors là, c'est pas les oracles ni les archanges. D'après Régis, je pense, qui habite en face, ce soir, ça va s'exprimer. On verra. Je fais confiance aux archanges, aux anges et les défunts. Mais là, apparemment, ils étaient tous d'accord. Ils sont mis autour d'une table, les défunts, les archanges, les anges, ils se sont dit ok. Bon, là, c'est la merde, faut planter. Hein. Ouais, faut faire quoi? Faut planter là. Les défunts sont d'accord. Alors, les défunts de base, ils sont un peu énervés d'habitude. Mais si les défunts sont d'accord, c'est bon, on transmet l'info. Bon, Déborah, dis-leur qu'il va falloir planter. On s'est mis d'accord avec les défunts et les archanges là. Et le fait qu'ils toussent là, c'est une allergie, t'inquiète pas, balance-lui l'info, on s'en bat les couilles, fais gonfler les chiffres, on s'en tape là. Putain, quand j'ai toussé, je me suis réellement fait mal quoi. Au début, elle a marqué un blanc en mode, elle a dû se dire, elle était derrière son téléphone, elle devait être comme ça. Je fais quoi? Il vient de tousser. Je reste, continue. Combien ça fait d'argent là? 50? Ça le fait. Oui, les fraises alors, vous les avez plantées? Ah ouais, ça tousse un peu, c'est une allergie non? Bon, rien de grave. Non, on en a rien à foutre quoi. Avant de quitter ce live, merci pour tous les bits, merci pour tous les subs. Et n'oubliez pas de planter. Bon début de soirée tranquille là.